qui commence au centre, la joueuse de 23 ans. Allez, premier service pour les Nantaises. Bon, tout de suite, hein, grosse action était idéale. Elle arrive de loin face à Chamalière. Allez, Taylor Mims dans l'axe pour changer. C'était bien défendu par la Colombienne. Capitaine du RC Cannes. Allez, cette fois, on fait pareil la puissance à Amélie Rotter. Taylor Mims sur cette pipe avait été défendue. Les Canoises étaient plutôt bien en place là. Et puis ici, on vient jouer intelligemment. Ratari qui s'est pas prié, qui enchaîne derrière avec un excellent service sur Becheva. Ça joue transition Giardino vers Rotard. Là, les interactions, le point est donné à Nantes. Touché par les mains, de déposer les feintes. On retrouve Robinson qui est passé avec un service flottant maintenant et qui met en difficulté la réception. Et ici, Rotard qui vient le point d'avant. Pareil, allez, hop, on vient chercher le haut des mains. Difficile à jouer. Carassoy bien servi sur Canberra Bero. Marine qui renvoie Marinova. Oh, la défense exceptionnelle. Là, Mandy Giardino. Quelle défense! Marinova, Marine, derrière là-bas pour Madine Robinson qui ramène ce point, même si Rotard a fait un excellent bloc, excellent franchissement. Largement dominé le troisième set pour mener 2-1. Donc elles ne sont pas, elles sont loin d'être battues. Hein. Inverse la tendance. Et Neptune qui arrive à garder cette avance de 4 points. Ça n'a pas été souvent le cas dans ce match. Quelle défense encore de Giardino. La belle passe à Tahiri derrière. Ça ne surprend pas l'URC Cannes, l'attaque en pipe. Soutenu par Canberra Bero. On s'appuie sur Marinova qui enroule. Et encore Carassoy derrière la réponse en pipe là aussi pour Amélie Rotard. 16-11. Capitaine de cette équipe. Amélie Rotard, c'est lourd. Et puis l'année dernière par le club de Levallois. Oh, le gros bloc, c'est dur. Proche de la fin de cette manche. Ouais, non, t'es un peu mieux organisé. Servi par Massuel sur Jasper. Attention, retard, le petit ballon déposé. C'est... Tout paraît plus fluide, plus naturel, hein, côté des Nantaises. Tout en simplicité, là. Et victoire de Vandœuvre, Nancy à Béziers, 3-1 également. Oh, c'est défense de Robinson qui reste dans le terrain et Rotard qui était resté au filet. Rotard, ouais, hop, elle attaque, elle reste au filet, elle se replace et communique. Puis à Béziers. Avec... Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau du centre. Le 26e point pour Marinova, l'attaquante bulgare, au bloc cette fois. Robinson, encore une grosse défense de Giardino. Attention, Amélie Rotard qui va trouver cette grande diagonale. Exceptionneuse attaquante de l'équipe de France. Ouais, elle s'est mise à disposition de sa passeuse là.